Aujourd'hui, dans un dîner presque pas mal, c'est à Serge de recevoir Étienne, infirmière, Madeleine, Versaillaise et Gabriel, un sacré coach sportif. Moi, je vais les épater ce soir. Moi, j'ai mis le paquet. Là. Et la Madeleine, elle est chaude, celle-là. Serge me dégoûte dans la vie. Non, pour le repas, je suis très confiant. Serge est quelqu'un de très bien. Oh bah moi, Serge, il arrête pas de me traiter de pédale, hein, donc j'attends de voir pour les notes. Hein. Mais bon, au fond, je sais que c'est quelqu'un de très sensible. Et comme ça, tu l'attrapes, paf, tu lui fais chanter la Via Maria. Voilà. Dès l'apéritif, Serge trouve un moyen astucieux de se rapprocher de Madeleine, la limonette. Limonade, anisette, deux pailles dans le même verre. Eh, ça rapproche. Hein. Et qu'en ont pensé les candidats? Serge me met très mal à l'aise. Très bon, très frais. En fait, Serge est quelqu'un de très raffiné. Hein. Et voilà, un bon cassoulet. Oh, tiens, tu veux aimer les saucisses, ça. Madeleine. Tu connais l'histoire de la blague du curé qui a oublié son slip? Non. Visiblement, la limonette coule à flot et le repas semble être apprécié. Ouais, je crois qu'ils sont contents. Et puis la mère Madeleine, elle me bouffe du regard. Pour le dessert, c'est du baba au rhum. Avec la dose que je vais mettre, tu vas voir, elle va y passer la coquine. Hop là. C'est une réussite totale pour Serge. Il ne reste plus un baba au rhum et c'est l'heure des notes. Verdict ? Cet homme est le diable. Dégueulasse. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Limonette. Niveau repas, c'est un résultat mitigé pour notre ami toulousain. Mais en est-il de même pour son opération séduction ? Tiens, la limonette. Ah, moi aussi. Oh, la pédale. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais tu me dis de rester. Oh. Ouais, moi aussi. On ramuse pas. Et Madeleine? Elle est partie. Oh, le perchman. Oh, limonade. Oh.